مسك. ايوا حمود ليلى استاذة محاضره انا مثلا كونفرنس اش دي ار فاكولتي دي سيونس هومان اتصدر شويه في لي روبير ايدونتيتير ا مزيغ لوزاس دي تي تي سي تك صحه اي لي فرونسي اوري دي لي دام دابور خي دونك يعطيكم صحه في لانفيتاسيون اي دايور en vous écoutant depuis hier, j'ai dû changer complètement d'orientation parce que quand on m'a contacté il y a deux jours, j'avais dit que j'ai un texte qui a été publié en 2015 chez l'Harmattan qui traite d'une autre thématique qui est une relecture du mythe kabyle utilisé sur les forums de discussion internet. Mais quand j'ai écouté tous ceux qui ont intervenu, j'ai changé un petit peu d'orientation. Donc, je vais vous parler de repères identitaires à Mazir et usage des TIC. En fait, depuis un certain moment, j'ai fait cette étude. D'ailleurs, c'était pour le HCA. Et j'ai exploré ce domaine. En fait, moi, je n'écris pas beaucoup sur la mazirité ou le mouvement à Mazir, mais ce qui m'intéresse... je fais de la sociologie culturelle et je travaille sur les TIC, donc les technologies de l'information et de la communication, et le lien social, comme étant une création d'une nouvelle forme de liens sociaux au sein des sociétés contemporaines. Donc, les technologies de l'information et de la communication, dont on a beaucoup parlé depuis 2011, mobilisation qu'on appelle pour moi entre deux pincettes les printemps arabes, ont été déjà avant ça mobilisés par les Algériens justement pour porter la cause amazigh et pour exprimer les repères de l'identité amazigh. Donc je vais sortir un petit peu sur l'usage de la langue pour parler de la langue comme étant une composante de l'identité et pour parler de la langue comme valeur culturelle notamment. Donc, l'usage des TIC a ouvert de grandes voies et surtout a ouvert un espace d'expression qui n'était pas disponible jusqu'alors, donc jusqu'à la pénétration de ces machines à communiquer, comme un spécialiste les appelle, pour pouvoir dire, déclarer et construire son identité, donc son image de soi par rapport à l'autre, librement et surtout anonymement, sans avoir peur des représailles. Parce que l'expression dans ce domaine-là, c'était la question des représailles. Pendant de longues années en Algérie, on exprimait son identité amazigh en ayant la peur au ventre. C'est pour ça qu'on utilisait des moyens détournés de le faire. Mais avec l'utilisation et surtout la généralisation sociale de l'utilisation d'Internet, on a trouvé justement cet espace pour exprimer les repères identitaires. Donc, sur le terrain que j'ai analysé, si vous vous rappelez des sites kabyle.com, kabyle.com, il y a dedans des rubriques. Et dans les rubriques, il y a des forums de discussion. Ceux qui avaient conçu ces sites, justement, appelaient ces forums « tajmaat ». C'est comme si que les gens, les jeunes surtout, se retrouvaient en fin de journée, « tajmaat tadarf » entre eux pour discuter des choses qui les tenaient à cœur. Donc, moi, ça m'a paru intéressant pour mon étude de par cette variable culturelle. Ça veut dire qu'on a mobilisé le patrimoine socio-culturel pour le réorganiser sur une plateforme moderne qui est une plateforme d'expression qui est tout à fait nouvelle que sont Internet et les technologies de l'information et de la communication. Donc, Internet devient donc le champ d'une pluralité d'expressions. Chacun peut venir dire ce qu'il veut, échanger avec qui il veut, partager, c'est le mot qui est très utilisé actuellement, bien avant qu'on ait ce phénomène Facebook que nous avons maintenant. Donc si on suit le fil de l'évolution, maintenant on a vu apparaître
des usages plus encore diversifiés et nous voyons des images qu'on ne pouvait pas voir avant. Par exemple, maintenant, si on voit les pages Facebook des Kabyles qui résident à l'étranger, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une réappropriation de l'espace géographique et de l'appartenance géographique d'origine par le biais de ces plateformes d'expression. Thamourthni yitserwal el meden, surtout les jeunes, aktinin ki wlach el khdma wlach mkhara aisha wlach ndara sdra wlach sharat char vera ghad aisha vera ghad ksb ghaya dwaya mi wlach el khdma adi rouh, il va immigrer quelque part dans le monde. Après, quand il est installé dans sa société d'accueil, Thamourthni jakken qu'il n'a pas arrêté de critiquer, elle va devenir très belle, c'est l'Eldorado. Il va commencer à en faire l'éloge sur cet espace virtuel qui est devenu un espace de positionnement et carrément de vie qui va se juxtaposer sur l'espace réel. Parce que ce que ces jeunes emportent avec eux, comme éducation, socialisation, patrimoine, histoire individuelle, histoire familiale et histoire générale du pays, va se transposer sur ces espaces d'expression qu'ils vont montrer avec des mots, avec des phrases de leur propre construction, mais surtout avec des images qui vont embellir l'image de cette société d'appartenance qu'ils ont pourtant quittée. Et c'est sur ces plateformes qui permettent le lien, qui vont rester en lien continuel, quasiment instantané, avec les leurs qui sont restés au bled. C'est de là que maintenant, par exemple, ceux qui travaillent dans la sociologie de l'immigration proposent l'hypothèse que maintenant, il est temps de sortir du paradigme de la double absence vers le paradigme de la double présence. Hein. On est là-bas, en même temps, on est ici. On est ici, en même temps, on est là-bas. Parce que, justement, les TIC ont complètement refait, remodelé les définitions de l'espace et du temps. Hein. Nous sommes ici, il n'y a pas beaucoup de monde dans cet auditorium qui suit, mais peut-être sur la Web TV, il y a des centaines de personnes qui peuvent nous voir en direct. Donc, le sens même des deux dimensions de l'espace et du temps ont complètement changé. Et c'est de cette manière que l'Internet a été mobilisé justement pour montrer et se démontrer peut-être à soi-même aussi que la mazérité porte des repères identitaires spécifiques qu'il faut mettre en avant, qu'il faut cultiver, qu'il faut diffuser, qu'il faut partager, le maître mot qu'on utilise maintenant, à travers le monde et non pas uniquement entre nous-mêmes. Nous connaissons les Kabyles, les Mazighens, les Chaouiens, mais à l'extérieur, le monde ne connaît pas ça. J'ai été dernièrement en Turquie, je me suis rendu compte que Amen, Karnassou. Donc, moi je suis berbère et on appelle le lot c'est sou. Ils étaient étonnés de reconnaître la proximité au moins des sons qu'on utilise pour nommer la même chose. Donc, cette appropriation a en quelque sorte généralisé l'engagement dans la cause. Ce n'est pas uniquement l'apanage des intellectuels, des gens qui ont compris les choses très très tôt, des personnes qui ont été à l'université, des personnes qui lisent des livres, des journaux, qui ont côtoyé des personnages engagés dans leur vie, mais c'est la société tout entière qui se trouve devant un dispositif dans lequel elle peut exprimer ses repères identitaires en toute liberté, en toute aisance. Surtout que sur ces plateformes, l'usage de la langue n'est pas vraiment très codifié. Hein. Vous savez tous comment les jeunes maintenant écrivent sur Facebook. Hein. C'est des lettres latines, c'est des lettres de français. On a l'impression qu'ils écrivent en français, mais si vous soumettez ça à une analyse grammaticale, syntaxale, etc., les codes linguistiques, on va se retrouver avec une langue tout à fait étrangère au français. Et c'est tout à fait la même chose
pour le kabyle et l'arabe. Hein. Donc, l'outil linguistique, la différence qu'on faisait avant entre le lettré et l'analphabète, elle a complètement changé de sens et de configuration, vu que on peut s'exprimer non seulement dans une langue beaucoup plus facile à écrire, mais aussi avec des supports multimédia qui mobilisent l'ensemble des sens de l'être humain. Ça veut dire qu'on peut non seulement écrire, mais on peut émettre des images, on peut parler, on peut discuter de visu avec quelqu'un directement. C'est ce qui a aboli justement cette frontière entre l'engagé lettré pour la cause et l'homme du commun qui a quelque chose à dire autour de la question, mais qui ne peut pas parce qu'il ne peut pas écrire, il ne peut pas le mettre dans le cadre institutionnel habituel dans lequel on a l'habitude de discuter les causes, et le militantisme dont fait partie la cause amazigh. Ce que j'avais en premier, c'était justement un croisement, je suis retournée vers l'histoire, entre la manière dont les jeunes expriment ce qu'on appelle dans les textes historiques l'exception kabyle ou le mythe kabyle, et les textes du 19e siècle écrits par les ethnologues français. C'était ça l'étude que j'avais fait en premier lieu. Donc je suis arrivée à un résultat. En faisant ce croisement, j'ai pu ressortir avec quelques résultats. Comme j'ai refait, je perds le fil de mes pages, donc je saute tout ça. Et c'est la conclusion. Voilà. Je vais vous lire juste une seule citation, hein, parce que je vois que les gens sont fatigués, on est en fin de séance. Par exemple, il y a quelqu'un qui a écrit, qui a réagi à l'avis d'une vidéo qu'un autre usager proposait sur le même forum, selon les propos suivants. On nous montre les Arabes dans toute leur splendeur. Les Kabyles ne peuvent même pas se payer des ennemis civilisés. C'était une image sur une personne qui était habillée de manière traditionnelle, comme les Bédouins. La citation de 1839 de Lapeine. Lapeine épuisait dans un style narratif sûr quand il affirmait que les Kabyles représentent, dans l'état actuel de nos connaissances, la couche humaine primitive, celle qui a précédé toutes les autres en Algérie. Ce n'est pas que les Kabyles se soient gardés purs de tout mélange avec les races conquérantes, mais tous ces éléments étrangers se sont absorbés dans une race primitive et vivace dont la fixité est presque restée sans atteinte et dont la langue, le caractère et la nationalité se sont transmis sans altération jusqu'à nos jours. Hein, la pureté qu'on revendique beaucoup sur ces forums de discussion. Donc en conclusion, j'ai pu trouver qu'il y a cette question du problème des origines. Cette question, on l'a discutée dans les livres d'histoire, chez les historiens, les analystes, le problème des origines des Berbères. On parle beaucoup d'ailleurs d'Ibn Khaldoun quand on évoque le problème des origines. Mais cette question, qui a été une question savante, dont surtout chez les historiens, a été réappropriée par la société parce qu'il y a cette opportunité d'expression qui est Internet. Donc le problème des origines et la certitude surtout de ne pas avoir une origine commune avec les Arabes, la spécificité physionomique, je ne sais pas si vous le savez, mais les textes historiques les plus sérieux, des Occidentaux, des Français notamment, disent que les vrais Berbères, ce n'est pas ce qu'on croit. Maintenant, quand on voit un beau blanc aux yeux bleus ou une belle blonde, on se dit, oui, une Darveilée, oui, c'est un Berbère, n'est-ce pas, mais dans les textes des historiens les plus cités, les plus renommés, les anciens, les Berbères sont des grands hommes brun avec de longs bras et de longs pieds. Donc, oui, parce que il y a eu des croisements.
Ça vient pas de moi, ça vient pas de moi, je sais, parce que quand on va demander une fille en kabyle en mariage, même si tu as n'est-ce pas, hein, ça vient pas de moi, ça vient des textes historiques basés sur des études, bien sûr, anthropologiques, archéologiques. Hein, il y a énormément de preuves autour de ça. Donc, la spécificité physionomique et la relation au pouvoir politique. Donc, ce sont les trois variantes que j'ai pu trouver en analysant ces discours et en les entrecroisant avec les textes qui ont été écrits au XVIIIe siècle. Donc, je vais conclure, je ne vais pas beaucoup parler pour dire que depuis hier, on a beaucoup parlé des médias traditionnels. Mais moi, je parle de ces technologies de l'information et de la communication qui sont en même temps une grande opportunité pour toutes les choses que nous pouvons faire dans notre vie et en même temps une sorte d'emprisonnement. C'est une grande opportunité parce que c'est un outil qu'on peut mobiliser. Mais pour le mobiliser, il faut avancer justement dans cette amélioration de la recherche sur Tamazight, surtout en ce qui concerne la langue. La journée d'études qui a été faite hier, elle est très très importante et primordiale, parce que mettre en relation informatique et Tamazight, ça devient maintenant vital. On ne peut plus dormir sur ça. Ça devient vital pour qui que ce soit et aussi pour nous qui voulons promouvoir la langue amazir et la mettre à la place qu'elle doit avoir au XXIe siècle. Et ça ne peut pas venir du vide, ça ne peut pas venir d'ailleurs, ça ne peut venir que de notre effort, de notre propre effort, de notre propre investigation et aussi de notre propre engagement. J'ai entendu une phrase qui m'a pas vraiment plu. On relie l'engagement à la récompense, à la rémunération. Hein? C'est vrai que ceux qui ont donné et ont beaucoup donné, peut-être il arrive un moment où ils ne peuvent plus rien donner. Mais il ne faut pas oublier que les générations maintenant changent, évoluent. Et la perception même de l'engagement dans la cause amazigh n'est pas la même. Hein? Et ce public tant recherché de cette Tamazight dans les médias est en train de se construire. Moi-même, je ne peux pas lire Tamazight, mais mes enfants la lisent parce qu'ils ont Tamazight à l'école. Et quand on réfléchit pour demain, on va voir que toutes les questions que nous nous posons, que nous nous sommes posées hier et aujourd'hui, elles vont changer dans l'avenir. Parce que non seulement le public change, mais aussi ceux qui produisent l'information sont en train de changer et sont en train de posséder un savoir-faire tout à fait nouveau par rapport au savoir-faire traditionnel que nous avons acquis, nous qui sommes les générations du milieu ou les générations qui ont initié justement cette lutte pour la vie, hein, pour la reconnaissance de Tamazight, de la mazérité, et je vous remercie.